Nous sommes avec Yves et Yannick, les représentants de l'Espérance Serratoise. Je l'ai bien dit, c'est du tennis de table et vous venez de remporter un prix à tout soleil. Quel effet ça vous fait ? On est très surpris parce que quand on a postulé, on pensait que comme nos collègues, on était un petit club et on ne pensait pas qu'on pouvait s'intéresser à nous. Donc on est très heureux. Alors vous avez un projet super, super innovant et super original. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Yannick ? Alors, c'est un projet innovant, je ne sais pas, parce qu'à l'instar de ce qui peut se faire, par exemple, dans les mairies, les conseils municipaux juniors, etc., ça peut ressembler un petit peu à ça. Nous, on voulait vraiment pouvoir mettre les enfants dans une situation... on voulait que les enfants soient acteurs de leur vie et donc ce projet est vraiment là pour ça, c'est l'essence même, c'est rendre aux enfants ce qui leur appartient, être acteurs de leur vie pour qu'ils deviennent enfin de bons citoyens. Le bureau des jeunes donc, hein, c'était ça, on l'a pas dit. Le lien avec le tennis de table, monsieur le président ? Alors le lien avec le tennis de table, je dirais que le tennis de table, comme dans tout club, on a des jeunes, on a une cinquantaine de jeunes qui jouent à tous les niveaux, du niveau national au niveau départemental ou même en loisirs, et on cherchait un lien pour justement les réunir. Donc ce lien, ce sera le tennis de table qui servira de support, et comme ils se rencontrent déjà, et là ils vont se rencontrer dans d'autres circonstances pour évoquer des projets, pour bâtir des projets et essayer de convaincre aussi, et ils verront que dans la vie c'est pas toujours facile de bâtir des projets et d'aller de l'avant. Merci beaucoup messieurs.